And the Grammy goes to. And the Grammy goes to. And the Grammy goes. Aux États-Unis, son surnom c'est Queen Bee, la reine Beyoncé. La cérémonie d'hier ressemblait à un couronnement. 28e récompense de sa carrière, un record pour une artiste féminine, émue et politique. En tant qu'artiste, je crois que mon travail est un reflet de notre époque. Et ça a été une période très difficile. Je voulais encourager, célébrer toutes les belles reines et rois noirs qui continuent de m'inspirer et d'inspirer le monde entier. Beyoncé, devenue au fil des années une icône pour la communauté afro-américaine. Tout un symbole dans une cérémonie marquée à la fois par la pandémie et le mouvement Black Lives Matter. Il a inspiré cette mise en scène violente du rappeur Lil Baby. Même la meilleure chanson de l'année est un hymne militant, I Can't Breathe, les derniers mots de George Floyd. Autre génération et autre style, Lionel Richie a fait une apparition sur scène. Derrière son masque fleuri, Taylor Swift obtient, elle, le prix du meilleur album pour la 3e année d'affilée. Là encore un record pour une chanteuse. Aux États-Unis, le présent de la musique se conjugue au féminin.